Bienvenue dans Clash Racing saison 2. L'an dernier, deux clashers se sont lancés dans une course palpitante. En effet, les deux joueurs avaient recréé un compte dans le seul but, monter le plus haut. C'était une aventure remplie de rebondissements. Et cette année, ils reviennent. Nos deux clashers devront encore une fois recréer un compte et arriver à trouver les bonnes stratégies pour monter le plus haut possible. Optimiser l'attaque ou bien la défense, c'est un des fameux choix que vont devoir faire nos deux clashers. Car cette fois-ci, ils reviennent, mais sur la maison des ouvriers. Un endroit où la défense est aussi importante que l'attaque. Les règles sont simples. Monter le plus haut en trophée en 8 épisodes. Mais nos deux joueurs auront un ennemi commun, le temps. En effet, nos joueurs ne disposent que de 10 minutes chrono pour pouvoir jouer. Après le temps imparti, ils devront lever les mains et plus toucher le jeu. Mais il n'y aura pas que le temps qui va leur jouer des tours. Il y aura aussi le hasard. Car en effet, à chaque fin d'épisode, un lancer de dés va être fait pour choisir une pénalité qu'il y aura dans le prochain épisode pour chaque joueur. Voici la liste des pénalités qui correspond à chaque somme des lancers de dés. Base de fer, je te choisis, chômage technique, attends, stop, maestro, Twiton, Gemmer, Labo en panne, ou bien encore les deux règles blanches. Cette année, la compétition est d'autant plus acharnée car il y aura vraiment d'énormes rebondissements. Maximiser l'attaque ou bien la défense, vous allez voir en tout cas que nos deux clashers prendront des choix très différents. Qui de Alex ou de la Cram va remporter le grand titre de Clash Racer? Les réponses et bien plus, c'est maintenant dans Clash Racing saison 2. Voyager. C'est bon, on y va. Voyager. Ok, là ça commence, c'est parti, premier épisode de Clash Racing. Est-ce que t'es chaud, Akram? Ah, là, je suis archi chaud, là. Je suis méga chaud. Alors là, par contre, vraiment, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison 1, les potes, vous savez peut-être que c'est Akram qui a gagné la première saison. Donc là, vraiment, je vais essayer de me venger comme jamais. Je vais essayer de tout donner. Ouais, mais il faut que tu donnes tout, là, parce que je suis chaud de night. Hein. Attends, je suis pas un Clash of Clanser, mais... Ah, je suis tellement hypé, mec. Mec, ça fait déjà 30 secondes. Oh là 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 là, c'est long. Déjà, wow, ça va vite. Il faut tout spam. Vas-y, mais au début, ouais, mais de toute façon, au début, il y a les animations que tu peux passer et tout, là, c'est chiant. Allez, vite. Donc, dans tous les cas, normalement, vous aurez eu les explications, etc. pour ceux qui connaissaient pas encore Clash Racing. Mais attends, c'est possible de pas connaître Clash Racing en 2017? Mais non, mais en plus, il y avait eu des fuites comme quoi il y avait un jeu qui allait s'appeler Clash Racing, un nouveau jeu de Supercell. Sérieux? Mais ouais. Suivi, ça. Mais si, genre, du coup, il y avait plein de commentaires, genre, waouh, ils ont tout prévu en avance et tout. On est des devins. Non, ouais. Mais sérieux, les potes. En plus, cette année, on a vraiment essayé de faire quelque chose de beaucoup plus propre, etc. au niveau des overlays, au niveau même des règles, etc. et même au niveau des pénalités. Voilà. Vous verrez ça à la fin. C'est la folie, les potes, non? Vous avez déjà eu un petit trailer, vous avez plein de petits trucs sympas. Ok. Allez, on est chaud. Ce qui est énorme en plus, c'est que je sais pas du tout où t'en es, quoi. C'est ouf. Ouais, moi non plus, je sais pas où t'en es. Mais. Ah bon, déjà, là, j'ai ma petite stratégie, je sais déjà ce que je vais faire. Moi aussi, mais j'ai l'impression d'être en retard alors qu'on vient juste de commencer, c'est trop chiant ça. Ouais, mais ça se trouve, mec, t'es mille fois plus en avance que moi, on sait pas. Ouais. C'est ça qui est chaud. Alors attends, là, ma petite stratégie, tu vas voir. Et parce que c'est hyper long les nuages à passer. Ouais, de ouf. Attends, je suis bloqué sur les nuages. Quel nuage? Ah, c'est bon. J'étais bloqué sur les nuages de la première attaque. Waouh, chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oh, j'ai perdu. Merde. Putain, t'es une merde. Le mec qui perd la première attaque. Tac. Plus 50 trophées, l'attaque pas trop cheatée, quoi. Par contre, mec, on a pas le droit, genre, tu vois, de relancer l'application pour que l'attaque elle se passe. On est d'accord? Ouais. On est obligé de laisser passer l'attaque, ok, c'est bon. Ok. Ouais, j'ai tout. Miskin, ouais. Mon compte il s'appelle Don de Troupe parce que c'était le vieux compte à mon père. Moi il s'appelle YouTube parce que c'était un compte où j'avais fait du troll avec. Putain, mec, il reste plus que 7 minutes 50 déjà. 7 minutes? Non, mais mec, j'ai. Oh! Oh! Il faut se bouger de ouf en vrai, c'est chaud! Stop! C'est chaud! Attends, je vais faire ça. Bang! Et vous avez vu aussi, on avait le même nombre de gemmes, donc ça c'est cool ça. Ouais, on a fait exprès d'avoir exactement le même nombre de gemmes, ça aussi normalement dans l'intro, je vous l'aurais dit. Alors. Putain, mais qu'est-ce que je fais là? Oh zut! Tac, j'espère. Bon, toi, c'est quoi la règle que t'aimerais le moins avoir? Genre, moi le truc le plus dur? Moi, le truc le plus dur, je pense, ça serait. Je sais pas. Pendant 20 secondes, tu peux rien faire, stop n'importe quand pendant 20 secondes. Parce que imagine si pendant tu commences une attaque. Ouais, j'avoue, c'est tendu ça. Ou ne pas pouvoir changer de truc, de troupe là. Ah ouais, putain. En fonction de la base. Ouais, c'est vrai, c'est chaud ça. C'est vrai que c'est chaud. Bon, là, je dois être hyper en retard, mec, c'est abusé. Non, mec, moi là par contre, je suis vraiment de la merde. Là, je fais n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est archi lent. Je sais pas ce qui se passe. C'est trop bien. Mec, ça se trouve, t'as mille fois plus de trophées que moi. Mais non, mais mec, oh là là. Si tu savais, non, mais oh là là. Oh là là, mais ça me stresse, c'est stressant. Vous vous rendez pas compte comment c'est stressant. C'est trop chaud, mec, c'est vraiment trop chaud. Mais ouais, c'est. Ouh. Olé, olé, hein. Moi, je suis pas. Mec, on est déjà. Il reste plus que 6 minutes 40. Non mais mec, ça passe vraiment trop vite. Ça passe trop vite, Starfoula, comme on dit dans le milieu. Ouais. Putain, mais j'ai l'impression que Genox il lag un peu, moi.
Ouais, cherche des excuses. Non, je te jure, de toute façon, tu verras. Mais t'inquiète, c'est pas pour ça, c'est pas ça qui va faire la victoire ou la défaite, quoi. Je ne me reposerai pas sur ça, Ça t'inquiète. Va. Ah mais par contre j'avais pas vu qu'il y avait des trucs sur les côtés. Mec, par contre c'est beaucoup trop utile à ce niveau là les gemmes, vraiment. Heureusement qu'on a gagné les gemmes. Mais mec, je me suis tellement fait baiser là. T'as j'ai lancé une game et il y avait tout sur les côtés, j'ai tout envoyé au milieu. Ah oh, putain, fiché. Ah non, c'est cool pour moi je suis content. Ouais, j'ai perdu tant de ouf. Ah là là. Putain, moi je fais n'importe quoi là, je fais que perdre. Et aussi on peut voir ma petite bonnette de micro rouge que Alex m'a plagié, voilà, je tiens à le dire. Moi aussi j'en ai une rouge, j'en ai une rouge, une bleue, j'en ai plein de couleurs. Ouais, mais tu m'as plagié quand même, tu m'as plagié quand même. En vrai j'aurais dû avoir une bleue parce que j'étais du côté bleu. Ouais, c'est vrai. Moi à la limite j'aurais pu mettre la bleue mais ça aurait été con. Ouais. Attends, bon, ils sont, mais... Qu'est-ce qu'elles font, je suis trop faim. Putain, j'en ai marre, j'ai fait une base trop bien, du coup les gens ils mettent méga longtemps à l'attaquer. Moi, ah, mais t'as déjà fait une base toi et tout, wow. Ah, tu sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Sauf que moi je sais même pas où sont mes barbares là. Dans tous les cas on a même pas assez, genre on peut pas encore trop poser de bâtiments et tout donc c'est chaud. Là mais frère, ça fait 100 ans je suis au même nombre de pourcentage là, qu'est-ce qui se passe? Allez vite, dépêchez-vous les troupes! Putain c'est bon! T'es allé à combien de batailles? Je sais pas. Non en vrai mec j'en ai fait qu'une là. Là je commence la deuxième. Moi je suis encore la première hein. Alors là je rigole pas. No fake! Ou peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Non mais c'est parce qu'il y avait trop de trucs dans les coins. C'est la première et dernière indication que je te donne avant de te gagner, de toute façon. Non, t'inquiète, cette année par contre, je vais pas me laisser faire, c'est pas toi qui vas gagner cette fois, certain. Ouais, ils disent tous, ils ont tous dit ça et à la fin... dans les côtes. Tu verras. Dans leurs côtes. Allez, bim, un petit... 200%. Quoi, t'as fait 200%? Ben ouais, 200%. Putain. Mec, non, il reste plus que 4 minutes 30. Non mais jure les mecs j'ai rien fait, j'ai absolument rien fait. Mais mec, j'ai rien fait, c'est chaud. Imagine c'est chiant. Une grosse pénalité. On t'en fait 100%, mais ouais. Mais ouais, parce que les gens à chaque fois ils te font 100% aussi. Mais donc si tu fais que des égalités. On va tomber ensemble mec. Mec, ça serait trop drôle. Attends, je sais ce que je vais faire pour finir là. Ça m'a cassé les couilles, vous savez quoi. Alors ce qu'on va faire. Ouais, moi j'ai perf. Mais le gars il va me perdre. Alors bang, voilà. On se fait paillèche quoi, et on a le droit de prendre des succès hein. Ouais bien sûr. Sauf que moi il y a deux succès que je peux pas prendre parce que c'était des succès du village principal. Ouais. Bang, après, c'est aussi, bon. Après aussi t'as le droit de péter des arbres et des trucs comme ça. Oui t'inquiète pas. J'avais hésité à faire une règle, genre t'as pas le droit de péter un arbre. Ouais, que se passe-t-il quand on pète la statue du barbare? Alors, regardez bien, vous voyez ma technique sublime quoi. Ça va, moi franchement je pense que... Moi je crois que j'ai trouvé la technique. Parce que moi tu vois, ça fait plusieurs fois que je recommence des connes sur le village des ouvriers. Ouais mais voilà, c'est de la triche quoi. Du coup moi maintenant je suis en train de tryhard comme jamais là. Moi j'ai tryhard le truc avant de commencer en fait. Parce que j'étais trop chaud, je savais exactement ce qu'il fallait faire et tout. Putain mais je me rends compte, j'ai peut-être mal utilisé mes gemmes là. Est-ce que j'ai fait la même erreur que toi dans le premier épisode? Ah, on sait pas, c'est vrai que moi j'avais utilisé beaucoup trop de gemmes dès le début. Ouais. Je m'en rappelle. Mais qu'il reste plus que 3 minutes! Non mais mec, putain, mec. C'est chaud! Premier épisode déjà, fort hein! Enfin, on l'a fait, je sais pas. Ah ouais, j'ai rien branlé perso. Enfin, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme on dit. Ouais, peut-être que t'as fait plein de trucs en fait, on sait pas. Ah ouais. Alors, bang. Qu'est-ce que je peux. Ok, bang. Oh, mais pour améliorer les HDV, ça va être chaud, non? Ouais. On pourra pas. Pourquoi? Ça va être hyper cher. Hyper cher et hyper long. Ouais, parce que le truc c'est qu'on a qu'un. On peut faire qu'un seul bonus vu qu'on fait tout d'un coup. Vu qu'on fait tout une journée. Ça va en fait. C'est là en fait que les gemmes vont être utiles quoi. Parce qu'il faut vraiment les utiliser bien comme il faut. Alors ça. Ah oui, base des ouvriers. Ok, on est base des ouvriers. Ouais. Non, attends. Là c'est pas mes récompenses de base des ouvriers que je vais prendre. Il reste combien de temps? 2 minutes 13. Ok. Ok, ça va, je suis pas l'air d'être dégueu là en vrai. 2 minutes 7, ah c'est chaud. Allez, on va mettre ça, bang. Ok, de toute façon, les deux premiers épisodes, moi je sais ce que je vais faire. Mec, j'ai trouvé vraiment la technique, je suis trop fort. Ah ouais? Ouais, putain. Si tu savais ce que j'ai fait, mec. Putain, bah, attends. Bang, allez, oh, fais chier. C'est tarpin chaud. Alors, moi ça va, je prends mon temps là, j'y vais lentement mais sûrement.
en espérant win, évidemment. 1 minute 30, vite, vite, vite. De toute façon, rien ne se joue au début, on le sait. Ah, tous. C'est vrai, ça oui. Alors, est-ce pour vous laisser du suspense pour que vous regardiez les prochains épisodes. En fait, on a l'impression qu'on parle pas beaucoup parce qu'on est vraiment hyper. Ouais, c'est concentré. Ça, on est méga chaud, on est hyper concentré. Et puis en plus, on a pas trop envie de se dire nos stratégies, etc. quoi. Ouais, comme te dire par exemple que là, je viens de faire 3 100% quoi. Sérieux, t'en as fait que 3? Tu savais combien j'en ai fait depuis le début? Ouais, il me lâche que 3 là en mode. Si tu savais combien j'en ai fait, il reste plus, mec, une minute! Vite! Après, tu vois, genre, si à la fin, il y a encore l'attaque qui est en train de se faire, on la laisse finir quoi. Tu sais, quand touche plus à rien, si t'as pas, par exemple, si t'as pas fini de te poser tes troupes ou quoi, tu peux pas. Il reste une minute! Ouais, 45 secondes. C'est chaud! Putain, on a fait un premier épisode de ouf, j'ai l'impression chaud, déjà. C'est cacao. Allez, c'est tout pour moi. Mec, c'est énorme parce que je n'ai aucune idée de ce de où t'en es, de ce que t'es en train de faire et tout. C'est ça qui est chaud maintenant avec Clash Racing. C'est ça qui est vraiment tarp et chaud. C'est trop bien. Putain. En vrai, je me perds, j'ai l'impression de vouloir tout faire en même temps. Ouais, bah moi aussi, pareil en fait. Alors. Bon, ça va, je pense que je reste correct là pour le moment. Prendre putain de gros arbre là. 10 secondes! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on lève le bras. C'est bon, on lève les bras. C'est terminé! Épisode terminé! À la fin de ce premier épisode, c'est Alex qui est le plus haut dans la course avec presque 200 trophées. En effet, celui-ci a préféré directement rusher quitte à délaisser un petit peu la défense. Akram de son côté n'a même pas gagné un seul trophée pour le moment car il a vraiment préféré maximiser la défense en ce premier épisode. Il se place donc en fin de course. Mais bon, comme vous le savez, ce n'est que le premier épisode et rien n'est joué. Du coup les potes, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les pénalités. Juste avant, qu'est-ce que tu penses pour le moment du premier épisode? Est-ce que tu penses que t'es bien parti, etc? Alors moi j'en pense rien parce que comme j'ai dit l'Anta va mais sûrement, après voilà, rien ne joue sur le premier épisode. Okay. Et voilà, de toute façon on verra l'évolution en fonction des épisodes moi je trouve. Toi tu penses que t'es bien parti? Je sais pas du tout, franchement j'ai aucune idée, je sais pas trop, j'essaie de voir un petit peu mes trophées, mon nombre de gemmes, essayer de voir. C'est la bonne technique ou Moi je pense que c'est pas trop mal ce que j'ai fait, après je sais pas, on verra. Ok, bon du coup, j'espère pour toi. T'es prêt pour le tirage? On va tirer les règles. Parti. Je vous remontre un petit peu les règles quand même, les potes. Normalement, vous avez vu en début de vidéo, les gens, vous pouvez un petit peu les voir. Ici, je vous laisse screener pour que vous puissiez bien lire, etc. Du coup, c'est parti. On passe du coup sur la scène avec les dés. On est parti. Du coup, on commence par toi, parce que tu es mon invité quand même. Tu commences par qui? On commence par toi. Vas-y. Ça marche. Ok, tac. Et donc, ça fait 8. Et donc, la règle numéro 8, c'est Twitton. Le joueur doit écrire un tweet dicté par l'adversaire lorsque celui-ci dit Twitton. Donc dans le prochain épisode, dès que je te dirai Twitton, tu dois tweeter. Ok. Allez. À moi maintenant. Ah, j'ai peur. 10 et c'est labo en panne. Le joueur ne peut pas améliorer de troupes. Ah, chier. Ah, ça me fait chier. Autant Twitton, ça va, tu vois, ça te fait perdre du temps, mais c'est pas trop dur que... La boîte en panne, ça fait chier quand même. Ben moi je te propose qu'on conclue cette vidéo. Ouais, clairement. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir suivi. J'espère du coup que ce premier épisode vous aura plu et vous aura hypé pour voir les prochains. Parce que vous inquiétez pas, ça arrivera très bientôt. Tous les samedis à partir d'aujourd'hui, maintenant vous aurez un épisode de Clash Racing. On rappelle qu'il y a 8 épisodes. Et voilà, je pense que ça va. Voilà, et merci à Razox pour tout. Merci beaucoup à Razox, ouais, pour tous les overlays, etc. Et du coup, on vous fait des très très gros bisous. Et ciao ciao les amis. A plus. Bye.